Salut à tous les petits potes, c'est Zenpil, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver donc pour cet épisode 3 de Inazuma Eleven Go Chronostone Tonnerre. Tu sais, t'as l'impression que t'es en train de lire une phrase qui a pas de point, ni de virgule. Bah c'est marrant. Et du coup, les enfants s'étaient quittés là, juste après le premier match. Le premier match qui a duré d'ailleurs tout l'épisode dernier. Voilà, j'espère que c'est la prochaine fois, ça durera moins longtemps les matchs. Parce que dans ce cas-là, il faudrait que je fasse exprès des matchs genre qui durent 30 minutes quoi. Voilà, écoutez, là on doit aller rejoindre le transporteur temporel. Le transporteur temporel qui est, regardez, juste au-dessus, là, voilà, ici, bah là où nous sommes en fait, tout simplement. Écoutez, je suis vraiment, vraiment content de vous retrouver, parce que justement, là je tourne le lendemain. Je crois que j'ai tourné ça le 1er juin, le premier épisode. Là, c'est le 2 juin, je tourne le 3ème épisode. Et donc, du coup, le premier épisode est déjà sorti sur YouTube. Et je suis content parce que vous l'avez assez bien accueilli au niveau dans les commentaires. Et ça, je suis assez content, du coup. Et mon éclairage, si tu pouvais ne pas faire de bêtises, ça m'arrangerait. En gros, je vous explique. Des fois, regardez, quand je vais avancer, vous voyez. Des fois, je vais passer en invisible. Bon, ça c'est à cause de mon teint de peau, bien évidemment, et la lumière, c'est-à-dire que je peux pas ne pas assez éclairer, et je ne peux pas non plus trop éclairer. Si j'éclaire trop, je deviens transparent, et si je n'éclaire pas assez, je suis transparent aussi. Donc voilà. En tout cas, oui, je suis vraiment, vraiment heureux de vous retrouver sur ce jeu. Ce bus, c'est une machine à remonter le temps? Oui, pour être plus précis, c'est un appareil de déplacement... spatio-temporel qui tire parti des passages interdimensionnels pour fonctionner. J'ai mis au point cette merveille moi-même en m'inspirant du design indémodable de la caravane Inazuma. Donc en fait, vous allez nous conduire à travers le temps. C'est ça, mais on ne peut pas simplement se rendre à une époque donnée, il nous faut une sorte de guide pour nous y amener. Plus exactement, il nous faut une relique. Cette relique doit refléter l'essence du lieu et de l'époque où l'on souhaite se rendre. Sans relique, il nous est impossible d'ouvrir le passage interdimensionnel et donc de voyager dans le temps. Je vois. Et donc, de quoi avons-nous besoin pour nous rendre à l'époque où le coach Evans a créé le club de foot? C'est une bonne question. Quelque chose qui serait imprégné de l'essence même de cette époque. Je sais, allons jeter un œil dans l'ancien local du club. Le coach Evans y a passé beaucoup de temps. On devrait sûrement y trouver quelque chose. Quel founder, bonne idée! Retournons à l'époque d'Arian pour trouver notre relique. Parfait. Alors là, je cherche à de quoi boire. Voilà. Wow. Les animations, par contre, ce sont vraiment géniales. Hein. Par contre, il n'y a rien à dire là-dessus. Collège Raymond, de nos jours. Mais d'où tu sors, toi? Et t'es qui, d'abord? Début de la phase 1. Vous allez coopérer. Mode contrôle mental. Vous voyez, là, je suis trop éclairé. Qu'est-ce qui m'éclaire trop? C'est ça, non? Regardez. Ouais, ça doit être... Non. Ah si si, c'est... Attendez. Ouais, c'est encore une science expérimentée, le fond vert pour moi. Nous y voilà. T'as vu ça? Revenir à ton époque est un jeu d'enfant. Ne perdons pas le temps. Attendez. Oui, c'est bon. Ok. Ne perdons pas de temps. Arian, amène-nous à l'ancien local du club de foot. Oui. Oui, capitaine. Oh, c'est qui ça? Je suis pas un bruit, j'observe la voiture de ma prof préférée. Tu m'empêches de me concentrer. Ah d'accord. Perverse à ce jeune âge. Non, c'est pas par là. En plus, c'est par en bas qu'il faut aller. Non, pas par là non plus. C'est par ici. Voilà. Alors, dommage qu'il n'y ait pas un autre bouton, genre pour accélérer. Allez, c'est parti du coup. On se dirige. Hop, s'il vous plaît. Non, pas trop non plus. Voilà, comme ça. Oh, regardez, il y a un coffre là. On peut l'ouvrir? Ah oui, on peut l'ouvrir. Vous avez donné un petit sandwich. Parfait, un petit sandwich. Miam, 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 miam. Je suis allé trop bas. Hop, c'est par ici. Voilà. Bon, des fois, le son de jeu, soit il est trop bas, soit il est très élevé. Et des fois, c'est des modes, vraiment, tu ne comprends pas. Ah, il y a quelqu'un qui nous attend devant le local. Je suppose qu'il va y avoir une cinématique qui va se lancer. Non, même pas.
Arion Sherwin. Oui, qu'y a-t-il? Le football est souffrance. Éradiquer souffrance. Éradiquer le football. D'accord, donc on va se battre contre Montana, Tom, Conant, Punky et l'autre débile. Élève hypnotisé contre Raymond. Eh ben écoutez, parfait, parfait, commencez. Ok, nous on va aller à gauche. Tac, voilà. Ils sont un peu nuls, hein, par contre. De retirer vers l'intérieur logiquement. Et là il tire à l'extérieur. J'en étais sûr. Dommage. Pour moi il tire à l'intérieur, c'était logique mais non. Bon c'est pas grave, on va en remettre un de points de toute façon. Y'a pas de soucis à se faire là-dessus. Défi perdu. Ah! Oui, je suis prêt pour ce défi. Je savais pas qu'il fallait mettre juste un point. Je savais pas. Je ne savais pas. Limite je me demande si en fait laisser comme ça c'est pas... C'est largement suffisant je pense au niveau de l'éclairage. Voilà. Allez c'est parti. Commencez. Tu voudrais aller à gauche toi non? Eh ouais. Et boum. Va le chercher! Gauche. Ah merde. C'est triste. Aïe. Je dirais que tu voudrais aller à gauche. Ouais. Je te roule dessus. Ouais, je te roule dessus. Mais arrêtez! À gauche. Ah. Bon. Lui en plus il est en défense donc il, voilà il risque de me contrer. Voilà, je voudrais aller à droite logiquement. Exactement, parce que je te bloquais à gauche, c'est pour ça. Et boum. Et boum. Tu voudrais aller à gauche. Eh ben non. Allez, boum. Et c'est un tir. Attendez, retour. Tir rafale. Regardez, regardez. Ouh. Et boum. Tu ne peux pas l'arrêter, mec. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne pouvais pas l'arrêter. Génial. T'es bon. On a mis un point. Ah, et ça m'énerve. Je vais faire comme ça. Et au reprocheur, c'est Sunpil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Ne pas disparaître avec le fond vert. Oui. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Allez. Hein? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été hypnotisé. Je pense qu'il devait être sous l'emprise du protocole Omega. Quoi? Mais pourquoi le protocole Omega ferait-il une chose pareille? Afin d'utiliser le football pour nous détruire, tout simplement. Il est plus facile pour eux de forcer les gens de cette époque à nous attraper plutôt que de changer le cours du temps. Dans le pire des cas, le protocole Omega pourrait bien réussir à contrôler ton esprit si jamais tu perdais un défi. Fais attention. Ça n'arrivera pas. J'ai déjà perdu tout à l'heure et pourtant je suis en vie. Bien, retournons à nos moutons. Oui. J'ai le chien qui est à mes pieds, ça mord d'horreur. Zone de repos. Oui. Il nous faut une zone de repos. Zone de repos là-haut. Allez, nous allons aller dans le vieux local. Afin de trouver quelque chose. Ah, non, je croyais que c'était une cinématique. Moi, j'allais me préparer et tout. Genre, waouh, cinématique. Pouah, quelle poussière. Le local du club. On dirait plutôt un placard à balai. Comme l'histoire a été modifiée, ce local a été utilisé autrement.
Le coach Hillmans a dit que ce bâtiment existait bien avant que ses amis et lui l'utilisent. On aurait bien pouvoir trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regardez, j'ai trouvé la pancarte du club. Elle date de l'époque où du coach Evans, nous pourrions l'utiliser comme relique, non? Oui, ça pourrait marcher. Pancarte du local, parfait. Splendide! Alors plaçons immédiatement dans le transporteur temporel et partons Raymond 11 ans en arrière. Nous allons partir. Nous allons faire un retour vers le passé. C'est génial, nous aimons ça. Nous allons créer des aberrations temporelles, tout ça, tu vois. Allez, c'est parti les petits potes, on va aller sauver le temps du coup. On peut bouger avec ça? Oui, parfait, on peut bouger autre chose qu'avec le stick. Des fois le stick il me saoule, en fait je peux pas y jouer. Enfin, c'est trop chiant. Nous n'allons pas pouvoir revenir à cette époque avant un bon moment. Arion, es-tu vraiment... Oui. Bah, peut-être tu passais au truc de SP, bon c'est pas grave. Arion, place la relique sur le capteur circulaire, s'il te plaît. Non, j'ai cru qu'elle allait encore avoir une cinématique, mais non. Oh. Tu penses que ça va marcher? Mais oui. Eh oui, ça va bien se passer, eh. Ok, attachez vos Thunder ceintures. Attachez vos Thunder ceintures. Aïe, 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 aïe. Le passage interdimensionnel qui a été recalé. 5, 4, 3, 2, 1... Regardez-moi ces cerisiers en fleurs, les amis. C'est magnifique. Nous y sommes. C'est aujourd'hui que Mark Evans entre au collège Raymond. N'oublie pas, Arion, Mark ne fait pas encore partie du club de football à l'heure qu'il est. Surtout, ne fais pas de gaffe. Si j'en crois ma montre, il devait arriver d'une minute à l'autre. Mark Evans va rentrer au collège Raymond. Génial! Je vais jouer au foot! J'y suis enfin! Le collège Raymond! Que se passe-t-il, Arion? Si, si. C'est ici! Que se passe-t-il, Arion? Oh, rien! Tout va bien, si j'ai bien compris, le coach Evan est sur le point de fonder le club de football de Raymond, c'est ça? Si tout se passe bien, normalement, oui. C'était quoi ce bruit? Bonjour à tous, je suis Clark Foon Thunderbar, ravi de tous vous rencontrer. Permettez-moi de vous présenter le NEC plus ultra des services de messagerie que j'ai nommé Inalink. Il vous permet de rester en contact avec vos amis et de discuter où est-ce que vous vous trouviez dans l'espace et dans le temps. J'ai pris la liberté d'installer l'application sur les téléphones portables des membres de l'équipe. Pour votre plus grand plaisir. Mais quand est-ce qu'il a trouvé le temps de faire ça? Thunderbar est plein de ressources. Vite, Mark. Mark se dirige vers la salle des professeurs pour s'inscrire au club de foot. Suivons-le. Alors, l'icône orange sur l'écran tactile vous avertit dès qu'un nouveau message est publié sur le service. Ok. Ne pas lire ces messages ne vous empêchera pas de jouer, mais vous raterez une occasion d'en apprendre plus sur les personnages. Ok. On s'en fout. Ah, parfait, il y a un truc pour soigner les SP. Ah oui, bah voilà, ça a été un match, un stade de foot. Parfait. Vous voyez, coup, 9 points de motivation. Bah non alors. Pourquoi ça coûte? Je comprends pas. Ça coûte des points, d'accord. Alors, où dois-je aller? Je crois que c'est par ici. Non, c'est pas par là. Ah oui, pardon, j'avais pas vu le drapeau. En effet. Je viens déposer ma candidature pour rejoindre le club de foot. Comment?
Je suis désolé, mais j'ai bien peur que notre établissement ne compte pas de club de football pour le moment. Quoi? Quoi? Chut, tu vas nous faire remarquer. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher. Peu cher, Marc. Eh bien, s'il n'y a pas de club... Ah, voilà, il a tout compris. Je n'ai plus qu'à en créer un. Où est-ce qu'il va? J'ai ma petite idée. Suivons-le. Ah là là, mais ce jeu est juste génial. L'histoire du jeu est top, en vrai. Hein. Revenir dans le passé pour voir Marc Evans, pour recréer le monde de foot et tout, franchement, c'est juste génial, quoi. Moi, j'ai kiffé ce moment, en fait, de jouer au premier Inazuma Eleven. C'était vraiment une merveille, ce jeu. Tu es sûr de vouloir utiliser ce local pour le club? L'endroit n'est pas très propre. Ce n'est rien, un brin de nettoyage et ça sera parfait. Allons-y. Comme tu veux. C'est ici que tout commence. Le club de foot de Raymond s'apprête à entrer dans l'histoire. Oh, je me souviens, là, il fallait aller chercher tous les joueurs, des gens qui étaient dans le club d'athlétisme, des gens dans le club de baseball et tout. Et je disais, ouais, tu veux venir jouer avec moi? Super! Ah, c'était génial. Ah, j'ai trop kiffé. Non, en vrai, ce jeu est vraiment génial, quoi. Ça me permet de me rappeler pas mal de trucs. Quand j'étais plus jeune, du coup, d'avoir joué à ce jeu. Et franchement, trop bien, quoi. Je voulais l'acheter en plus sur la Wii et je ne l'ai introuvable en magasin. Dis-moi, Orion, les deux tourtereaux, là, ils sont ensemble, pas vrai? Thunderbar, voyons, de quoi je me mêle? Ah, je ne sais pas! Ça y est, voilà la pancarte du club. Il ne reste plus qu'à l'accrocher et tout sera enfin prêt. Super! Voilà, le club de football de Raymond est désormais ouvert. Nous allons devoir rassembler le plus de membres possible. Oui, j'ai hâte de les trouver, j'ai tellement de projets pour ce club. L'arrivée d'Axel Blaze, oh là là. Et puis, il faut aussi penser au tournoi Football Frontier. Négatif, le club de football de Raymond n'y prendra pas part. Sylvia, c'est un de tes amis? Non, je ne sais pas qui c'est. C'est Alpha, le protocole Omega est là! La décision a été prise, le club de football ne doit pas être créé. De quoi tu parles? Qui a pris cette décision? Il ne reste plus qu'à recruter quelques membres et le club sera formé. Personne n'aime le football ici. Personne? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a un tas de gens qui aiment le football, moi le premier! Bien dit! Tu ne vas plus l'aimer très longtemps. Je ne cesserai jamais d'aimer le football. Jamais! Vraiment? Hein? Ils ont disparu! Vite, ne perdons pas leurs traces! Oh, trop bien! Trop bien! On va voyager encore dans le passé. Oui! Ma 2DS a failli tomber. D'ailleurs, je pense bientôt à la changer, ma 2DS. Prends la new 2DS XL. Où suis-je? Où suis-je? Là où ton amour pour le football va prendre fin. Faye, où sommes-nous? Au stade Football Frontière. C'est ici que l'équipe de Raymond, menée par Marc Evans, a remporté le titre de champion national. Qu'est-ce que vous nous voulez? Na 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 na, Inazuma tout champion. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Un match contre nous. Ah. Quoi? Un match de foot? Coach Evans. Je veux dire, Marc, ne leur fais surtout pas confiance. Ils veulent faire disparaître le football. Qui est... Je m'appelle Arion Sherwin. C'est dur à expliquer. Eh oui, c'est un peu dur à expliquer. Et c'est pour ça que je suis venu ici, pour le sauver. Tu dois me croire. Nous sommes là pour t'aider, Marc. On va jouer avec Marc? Non. D'accord. Ok. Tu me crois? Bien sûr. Si tu dis que tu aimes vraiment le football, alors je te crois. Quand on aime quelque chose, on ne peut pas mentir. Parfait. Demande d'informations sur cible potentielle. Information reçue. Ces individus ont voyagé dans le temps pour empêcher de la déviation spatio-temporelle. Il semblerait également que nous les ayons déjà affrontés dans un monde parallèle. Ah, on est dans un monde parallèle, carrément. Reçu. Comment devons-nous procéder? Nous allons en profiter pour faire d'une pierre deux coups.
Tu n'y arrives pas. C'est vrai que vous voulez faire disparaître le football ? Affirmatif. Ah ouais. Très bien. Alors on va jouer au foot. C'est ça que vous vouliez, non ? Je vais vous montrer à quel point le football peut être amusant. Bien dit, Marc. Bien dit, bien dit, bien dit. Eh ben écoutez, on va faire ce petit match. Ok, tout le monde est prêt. Oui, j'espère que cette fois on va le finir assez rapidement. Parce que ça fait déjà 21 minutes de vidéo. Et du coup c'est compliqué. Alors, ok, je dois faire quoi là? Voilà. Ça c'est fait. Zarbi, t'as plus 10 en attaque. Mais lui il a 11. Milieu, minus. Avec forêt. Et voilà. J'ai personne d'autre dans défense. Ok. Allez. Placez Marc au poste de gardien, laissez Balai sur le banc. C'est bon, c'est fait, non? Ah non, c'est pas fait. Voilà. Ok. Parfait. Encore? Mais c'est pas ma cuisine, ça! Où sont passés mes ustensiles et la plage? Qu'est-ce que c'est que ce gazon? Vous pouvez commencer. Pas de soucis, ami du futur, comptez sur moi. Ami du futur, qu'est-ce que tu dis? Allez les gars, on va jouer au foot! Ouais! La na 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 na. Et la Zumba champion! Sortez votre ciné. Ah oui, là il faut qu'on fasse la cinématique. J'étais obligé. Les Sherwin contre le protocole Omega. Attention, ladies and gentlemen, le match opposant le protocole Omega à l'équipe des Sherwin a commencé. Nous sommes en direct du stade Football Frontière, ne demandez pas où c'est, j'en ai aucune idée. Ok, donc c'est nous qui engageons. Tac. Toi, je vais t'avancer plus vers là. Allez, commencez. Bien. Laisse-moi commencer. Eh oh. Ah, ça commence comme ça, en fait. Oh non, ils ne font qu'une bouchée de mes duplicants. Ah, oh, merde. Ce n'est pas juste. On est d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé jouer au football. Tu as raison, Marc. Evans, tu n'as pas conscience du terrible pouvoir qui est entre tes mains. Ah ouais, eh bien c'est ce qu'on va voir. Vous ne jouez pas du au vrai football. Le ballon ne doit pas servir à blesser l'adversaire. Il a raison, vous rendez le football triste. C'est bien dit. C'est une très bonne façon de le dire. Tu t'appelles Arion, c'est ça? Oui, c'est ça. Alpha, si tu continues à utiliser le ballon comme une arme, tu vas faire pleurer le football. Les larmes arrêteront de couler lorsque le football aura disparu. Et toi, Mark Evans, tu vas disparaître avec lui. Initiation de la déviation spatio-temporelle, sujet confirmé, Mark Evans. Viens me chercher si tu l'oses. Allez, de tir. Je vais l'arrêter. Si je ne l'arrête pas, nous allons perdre. Oh, la petite musique derrière qui se cale là. Ah, la petite main céleste. Il me semblait pas qu'il l'avait débloqué aussi rapidement. Il a réussi, il a utilisé sa fameuse technique spéciale. Impossible. Ce n'est pas français. Comment a-t-il pu utiliser cette technique? Grâce au phénomène de résonance des mondes parallèles. Ah, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait, parce qu'il a mis du temps à maîtriser cette technique. J'ai réussi, j'ai vraiment réussi. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. C'est génial. Un phénomène de résonance, voilà, qui est fâcheux. Voyons, voyez-vous, Alpha, Mark Evans existe dans différents modes parallèles. Et tous concentrent leur pouvoir en un seul individu, ce qui se tient devant vous. Afin de nous combattre, soyez extrêmement vigilants. Bien reçu. Ah ouais. Mark veut utiliser la main céleste.
pas du tout fort. Juste une des meilleures techniques, hein. Tac, 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 tac. Non, j'ai fait hors-jeu. J'ai hors-jeté. Oh non. Non. Commencez. Ah oui, quand même. Tu vas aller à gauche. Ouais, voilà. Je me disais, t'as une tête à aller à gauche, toi. Quoi? Fais quelque chose. T'as une tête à aller à droite. C'est bien. Non. Non, non. Droite, il va aller à droite. Ah non, what? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Arion, what are you doing, my friend? Excellent. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Arion. Ordre de parade 3. Bah oui, il arrête le ballon là, c'est obligé. Alpha, nous attendons tes ordres. Et là, il va faire sa technique de génie. AX3, c'est quoi ça? AX3. Oh, ça me dit une technique ça. Oh putain, non, il est invincible. Il est invincible, pêcheur. Ne vous mettez pas en travers, arrêtez! Ça sert à rien de se mettre. Arrête, te mets pas en travers! Ok. Et là? Il est pour moi, celui-là. Je vais là. Oh, il va l'arrêter lui aussi, G. What? Sérieux? Il a toutes les meilleures techniques qui puissent exister! Hein? Quel arrêt magistral, l'esprit guerrier invoqué par Mark Evans lui a permis d'arrêter ce tir les doigts in the nose. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu as invoqué ton esprit guerrier, Mark. Mon esprit guerrier? Le phénomène de résonance te permet de progresser extrêmement rapidement. Magnifique! Stupéfiant! C'est tout simplement prodigieux! Il est tout rouge maintenant. J'en perdrai presque mon flegme habituel. Pourquoi êtes-vous devenu rose, Funderbar? Oh, il ne faut pas s'inquiéter, c'est mon indicateur d'enthousiasme qui s'emballe un peu. Ah, il faudrait qu'on leur mette un but quand même. C'est bien G-Mark. Et ouais, ma petite fille. Mark est libéré, bah forcément, le Magin, voilà. Mais tu commences le jeu, tiens, le meilleur joueur du Inazuma Eleven. Il a les toutes meilleures les techniques. Que dire d'autre? À gauche. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que t'allais aller à gauche. Mais c'est pas grave, je passerai. À droite. Quoi? Je passe, c'est pas grave. Tire. Tire en rafale. Et regardez-moi ça, regardez, regardez. Et regardez-moi ça. Et c'est le but. Et oui, 1-0. Aïe, 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 aïe. Ah non, mais je m'en fous de ça, de le revoir par contre. Retour en match. Tu vas aller à gauche parce qu'à droite... Quoi? T'es sérieux? À gauche? Ah, quand même. Aïe! Tu vas encore aller à gauche, là? Voilà. Quoi? Attends, c'est quoi cette histoire, là? Gauche. Mais what? À gauche, toujours? Ah, quand même! Allez Zarbi, allez Zarbi, allez Zarbi. Non! Zarbi, qu'est-ce que t'as fait? Oh, tu n'iras pas à droite. Je suis un devin. Mi-temps. 1-0. Et un but du numéro 20. Non, à la 23ème minute.
Eh bien, on dirait que vous avez besoin d'un coup de main. Victor ? Hein ? Victor, tu es venu ! Hein ? Hein ? Victor ? Désolé de te décevoir, mais je ne suis pas Victor. Je m'appelle Vladimir. Victor, c'est mon petit frère. Wow ! Vladimir, mais tu marches ? Je t'expliquerai plus tard. D'abord, nous avons un adversaire à vaincre. Oui, d'accord. Wow, le frère de Victor. Je suis vraiment content de pouvoir jouer au football avec toi. Le plaisir est partagé. Je suis aussi ravi de me retrouver aux côtés du grand Mark Evans. C'est un grand honneur. Vladimir vous rejoint. Wow, les petits potes. C'est juste génial. Qui est-ce ? Vladimir Blade, un allié de poids venu d'un autre monde parallèle. Identité du sujet masculin confirmée, c'est une erreur liée au traitement de Victor Blade. Tu veux dire qu'il vient d'un monde parallèle que nous avons créé ? Si son existence est une erreur, nous n'avons qu'à la corriger. Ok. Vladimir Blade a rejoint les Sherwin pour la seconde mi-temps. J'espère que vous serez aussi impatient que moi de voir la suite. Oui. Allez, Vladimir. Allez. Allez. Ça va prendre le steak, là. On va leur mettre la steakoune. Et là, tu veux aller à droite, du coup? Ouais, c'est bon, j'ai retenu la leçon de tout à l'heure. Ah! Il est passé! Jean-Mi! Tu vas aller à gauche. Et tu ne passeras pas. You shall not pass. Quoi, pardon? Tu vas aller à gauche. Ah ouais, d'accord, de 1 point, genre vraiment pas de chance. Hein. Ah, là, cette fois, c'est bon. À gauche. Et oui! Et boum! Et là, regardez. Petite attaque technique. Rayon ravageur! Regardez ça. Oh non! Oh zut, il a retenu. Eh, il m'a mis par terre. C'est pas gentil, hein. Alors, t'as combien de points? Oh mince, tu vas gagner. À droite. Il va me rouler dessus. Aïe. Aïe. Eh, ça fait mal. You shall not pass. Ok. Droite. Gauche, pardon. Je suis droite et je vais à gauche. Quoi? Vite. Faites quelque chose. Juliette. Tu ne passeras pas à droite. Je l'ai décidé ainsi. Eh oui. Excellent. Et regardez-moi ça. Et boum. Et là. Montre. Corrigeons cette erreur sans plus attendre. Je vous souhaite bien du courage. Tac, et boum. Petit dribble. Waouh, Vladimir est super doué. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ne perdons pas une minute. Tu es avec moi, Rion? Oui. Oh, ok. Il aime bien crier. Incroyable, Vladimir, tu peux utiliser l'armure de son esprit guerrier. Toi aussi, tu peux le faire. Allez, vas-y, essaie. Vraiment? Mais comment? Fais... C'est ça, regarde. Invocation Kinder. Wow. On va savoir notre... Waouh! Waouh! Comment ils ont fait ça? C'est génial! Comment tu te sens? Je sens un pouvoir incroyable. On va faire une attaque combinée! Je le sens, c'est obligé. Allons-y, Arion. Oui! Ah non, on peut utiliser l'esprit du guerrier. Oui! Eh hey, mon petit pote, tu veux que je te dise un truc? Chargez! Regarde.
Je m'en bats les steaks de toi. Génial. Toi aussi, je m'en bats les couilles. Ouais. Regardez, regardez. Pff. Cassez-vous. Oui. Si. Et tu vas voir le tir en rafale en armure. Et regarde, regarde, regarde. Olé, 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 olé. Olé. Tu n'y arriveras pas. Olé. 2-0. But. Un esprit guerrier en armure, rien ne peut m'arrêter. Tu as réussi, Arion, bravo. Attendez, attendez, attendez. Je suis obligé là. Regardez. Regarde, 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 regarde. Barrage. Regarde, regarde, regarde. Lata. Oh, c'est génial. Je m'en bats les steaks, je continue. Aucune péché. Tiens, vous nous avez fait souffrir. Maintenant, c'est à vous. Oh, le mec, il est en mode ultra vénère, quoi. Ouais. Je m'en fous. Qu'est-ce que Yuxiao de notre passe? Demande-lui. Je ne connais pas. Je suis énervé. Ouais. Comment ça, faute? Comment c'est? Tu vas où, gamin? Y'a ça? Quoi? Alors déjà, tu lui passeras à lui et il ira à gauche, à droite. Quoi? Non! Non! Je ne devais pas me tromper! Ah mince, droite. Oui, tu passes à travers. Passe à travers! Non! Tu fais quoi? Non! Reviens ici! Oula! Non! J'ai pas eu le temps d'utiliser sa technique spéciale! Reviens! Reviens! Tu iras à droite et je ne veux pas que tu ailles à droite. Tu le bloques, tu le bloques, tu le bloques! Eh oui, Jean-Mi! Allez, on y va, Jean-Michel! Non! Mon armure! Nine, 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 mine armure! Ya, ya, ya! Tiens, envoie-lui le ballon! Non! Pas par ici! Non! Non! Pas par là! Ici! Oui! Non! Hors jeu! Zut! Et boum! Laissez-moi partir! À droite! Oh non! Je passe, je passe, je passe, je passe, je passe. Et non, je ne passe pas, hélas, tristesse ultime. Toi là, tu ne passeras pas. Non, comment ça, barrage? Ah, aïe, ça va faire mal. Oh mon dieu, oh my god. Oh non, Arion est fatigué. Tac le fantôme. Coucou. Elle est à moi la babale. Hop, on envoie à Vladimir. Vladimir, tu peux y arriver. Dribble en rafale. Sérieux? Comme Nadir? Rafale? Pardon. Tchou, tchou, tchou. Oui. On a gagné, on s'en fout de toute façon. Voilà. Victory. Oh mon dieu, mais ce jeu est juste génial! Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime, 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 j'aime! Qu'est-ce que j'aime, toi, regarde! J'ai du mal à croire que nous ayons perdu. On a gagné, on a gagné! Eh oui, on a gagné! Oh, trop bien. On les a butés! On a gagné! Oh, trop bien. Ce serait trop bien qu'on puisse continuer de jouer avec Marc. Ah. Quels sont vos ordres? Retirez-vous. Bien reçu. En même temps, ils sont nuls. Ils vont dans le passé pour détruire le football, mais ils sont nuls. Qu'est-ce qu'ils font? Nous abandonnons le match. Et c'est une deuxième victoire pour moi, même si la première je l'avais perdue, mais ils ont déclaré forfait. Marc va pouvoir créer le club de foot. Le cours de l'histoire n'a pas été changé, Arion. Tout est bien qui finit bien. Quelle journée! Ça, nous le devons à Vladimir. Ah oui. C'est vrai,
Mais avant de célébrer notre victoire, j'aimerais écouter son histoire. Ah! Une petite cinématique peut-être? Ah non, même pas. Eh bien écoutez, les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qui est très longue. Je vais essayer de la raccourcir au maximum sans détruire le temps de... sans détruire le jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Peace!